بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. قلت مرحبا بكل المعجبين بهذه القناة في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم. هذه القناة الأحمر كونسوليداسيون التي تطلب منكم دائما المزيد من التشجيعات واللايكات والبارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة، كما تطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم لكي تشجعوننا على المزيد من العطاء. درسنا اليوم لا يتعلق بتقديم درس خاص بتلاميذ الابتدائي والاعدادي، وانما سأقدم إليكم درس يتعلق بالطلبة الذين يرغبون في اجتياز امتحان الدخول إلى مدرسة الأساتذة. يتعلق اليوم بلا ديداكتيك دو ليكسبرسيون أورال نيفو كاتريام أني أونسينمون بريمير، التعبير الشفوي المستوى السنة الرابعة ابتدائي. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à Téléphone de Machine. J'espère que vous allez, comme d'habitude, toujours très très bien. Vous connaissez bien que ma présence aujourd'hui est ici pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, il s'agit de la didactique de l'expression orale au niveau de la quatrième année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Didactique de l'expression orale, quatrième année enseignement primaire. Introduction. Introduction. Une unité d'apprentissage. Une unité d'apprentissage débute toujours par des activités d'oral. Il débute toujours par des activités d'oral. On commence toujours par l'oral. L'oral précède la lecture, précède l'écriture. Toujours l'oral. L'oral signifie prendre la parole dans les situations de communication. Dans des situations de communication. Prendre la parole dans des situations de communication. Pour maîtriser l'apprentissage de la langue orale et faire développer les capacités d'expression et de communication. Voilà. Je répète, l'oral signifie pour prendre la parole dans des situations de communication. Pourquoi? Pour maîtriser l'apprentissage de la langue orale et faire développer les capacités d'expression et de communication. Elle est proposée d'expression, elle est proposée de leçons de communication par unité. Attention, je souligne ici deux leçons de communication par unité. Ça veut dire dans une unité didactique, dans une unité d'apprentissage, on présente deux leçons de communication. Chaque leçon est exploitée en deux semaines. Une leçon, deux semaines. La deuxième leçon, deux semaines. Et la cinquième semaine, c'est pour la consolidation, si vous voulez, pour consolider les années. Alors, chaque leçon est exploitée en deux semaines, la première semaine et la deuxième semaine. Et chaque semaine, et dans chaque semaine, il y a deux séances. Donc, pour une leçon, la première leçon, il y a quatre séances. Et pour la deuxième leçon, il y a quatre séances. Et pour la semaine cinquième, c'est la cinquième séance. Alors, la cinquième semaine, portant sur l'évaluation et la consolidation. Donc, la cinquième semaine. Donc, nous avons deux leçons par communication. Et chaque leçon est exploitée dans deux semaines. Donc, deux semaines pour une leçon et deux semaines pour une leçon, ça fait quatre semaines. Et la cinquième leçon, c'est pour l'évaluation et la consolidation de deux leçons prévues en fin d'unité. En fin d'unité. Voilà le schéma. L'unité d'apprentissage est composée de deux leçons de communication. Voilà. La leçon 1 et la leçon 2. La leçon 1 dans deux semaines. Nous avons semaine 1, deux séances, et semaine 2, deux séances. La leçon 2 dans deux semaines. La séance 1, deux séances, et la semaine 2, deux séances. Donc ça va donner 4 séances. Hein? Deux séances et deux séances 4, 8 séances. Et plus la séance de la cinquième semaine, ça va donner 9 séances. Ça veut dire une unité didactique, on va présenter 9 séances de communication. Bon, voilà, je passe à notre tableau pour présenter les étapes de la leçon d'expression orale.
Bon, voilà, je commence les étapes. La séance 1, présentation. Alors, l'étape 1, donc la séance 1, c'est l'étape 1, exploitation du support iconique et présentation. La exploitation du support iconique et présentation. Faire observer le posté par un moment par les apprenants. Donc on doit présenter un posté, une grande image, et la faire observer, le faire observer le posté par les apprenants, ça veut dire les élèves. Aider les élèves à raconter l'image. Aider les élèves à raconter l'image en leur posant des questions sur le lieu, les personnages, pardon, hein, en leur posant des questions sur le lieu, les personnages, le temps, et les pousser à émettre des hypothèses. Il faut mettre des hypothèses, hein, Faradias, sur le thème qui va être étudié. Ça ne fait pas, mais Faradias, il est possible à émettre des hypothèses. L'étape 2. L'étape 2 dans la science 1. Présentation du dialogue. Après l'exploitation de l'image, elle vient la présentation du dialogue. Le professeur présente le dialogue d'une manière explicite. En simulant à tour de rôle chaque personnage et en utilisant, les figurines adéquates pour cette présentation. Donc, demande les figurines, donc, soyez liées, municipales, adéquates pour cette présentation. Ces derniers, ça veut dire les figurines, doivent être adaptées à la classe. Les figurines que nous devons présenter en relation avec le dialogue, elles doivent être adaptées à la classe. Assez grandes, elles ne doivent pas très petites, assez grandes, et facilement maniables. Et facilement maniables. Et maintenant, les femmes, si vous voulez, maniables. La présentation est faite deux fois ou trois fois. Donc, la présentation du dialogue, elle doit être expressive et présenter le dialogue deux fois ou trois fois en simulant à tour de rôle chaque personnage, etc. Avec des figurines, des grandes figurines et un grand poster. L'étape 3, dans la science 1, toujours, question de compréhension globale. Est-ce qu'il y a des femmes? Pour poser des questions, ou bien poser quelques questions pour vérifier la compréhension des élèves. Après avoir présenté le dialogue deux fois, trois fois, avec une bonne lecture, une bonne prononciation, une lecture expressive, il faut poser des questions pour vérifier la compréhension des élèves. Ces questions devraient porter sur l'aspect global du dialogue. L'aspect normal. Quels sont les personnages du texte, du dialogue? Où se passe la scène, par exemple? Que font les élèves? Que font X et Y, etc. Voilà les questions de compréhension. Passons à l'étape 4, explication. Donc on va passer à l'explication. Hein, pour ne pas laisser le dialogue, ça veut dire obscur. Ça veut dire les élèves ne savent pas les mots et leur signification. Ils ne savent pas la signification des mots. Donc il faut expliquer totalement le dialogue, les mots difficiles. Étape 4, explication. Bien. Je termine l'explication. Bien, je termine l'explication. L'étape 4, explication. Il y a chaque les mots difficiles, les phrases, etc. Le professeur explique le dialogue réplique par réplique. Le dialogue, il est composé de répliques. Donc, il va expliquer la première réplique, puis la deuxième réplique, et la troisième, et ainsi de suite. Il introduit la première réplique, l'explique en utilisant des objets concrets. Il faut les objets concrets, il faut les images, il faut les figurines, pour ne pas laisser une réplique obscure, non compréhensible. En utilisant des objets concrets, en créant des situations de communication. Il faut créer des situations de communication pour faciliter la compréhension des répliques. La communication, elle aide les apprenants à s'exprimer. Le professeur aide les apprenants à s'exprimer en exploitant le lexique et les expressions introduites par la réplique. Attention, il faut comprendre le sens. Il aide les apprenants à s'exprimer en exploitant
بمعنى سنديكوفري وسنكتشفوا هذوك لو ليكسيك ذاك المعجم اللغوي ليزيكسبريسيون تاع هذا انتغدويت باغ لا ريبليك دوك اللي موجودين في لا ريبليك ريبيتيسيون دو لا ريبليك باغ لي زيليف il faut répéter la réplique par les élèves pour la mémoriser dans leur mémoire. Répétition de la première réplique par le professeur et introduction de la deuxième, explication reprise par les élèves et exploitation. Je répète, répétition de la première réplique par le professeur et introduction de la deuxième réplique, explication reprise par les élèves et exploitation. La même chose, la même démarche. La même opération qui est poursuivie par, pour l'ensemble du dialogue. La même démarche, ça veut dire présentation de la réplique, répétition par les élèves hein, pour la mémoriser, explication des mots difficiles, des lexiques, etc. Du dialogue, le professeur doit veiller à reprendre à chaque fois les répliques pour maintenir la cohésion. Il faut, par exemple, présenter la première réplique, après explication, etc. des questions. Deuxième réplique, il faut répéter, il faut relier la première et la deuxième. Ça veut dire répéter la première et la deuxième par les élèves. Enchaîner les répliques pour apprendre le micro-dialogue. Voilà. Le dialogue, le professeur doit veiller à reprendre à chaque fois les répliques pour maintenir la cohésion du dialogue. Donc voilà, je passe à notre tableau pour terminer l'explication. Je termine l'explication de la quatrième étape. Faciliter la compréhension des apprenants. Faciliter, rendre la compréhension facile. Faciliter la compréhension des apprenants et leur faciliter la mémorisation des supports. Voilà la mémorisation. Il faut que les élèves mémorisent le support tout entier. Donc réplique par réplique. Relier la première avec la deuxième, puis la troisième, relier avec la troisième, puis la quatrième, relier avec... jusqu'à ce que le support ou bien le dialogue doit être mémorisé, répété et mémorisé par les élèves. L'explication est toujours faite par le moyen de situations de communication. Alors, toujours l'explication, des mots. Hein? L'explication est toujours faite par le moyen de situations de communication. À chaque fois qu'on présente une situation de communication, on l'explique. De communication variée. Ceci pour permettre aux élèves de comprendre que les mêmes structures, le même lexique peuvent être utilisés dans des situations différentes. Voilà. Étape 5, reprise du micro-dialogue. Une dernière fois, pour la dernière fois. Le professeur répète le micro-dialogue une dernière fois. Donc c'est la dernière fois. Ça y est, on a présenté le dialogue, on a expliqué, on a répété les répliques, réplique par réplique, on a expliqué les répliques, réplique par réplique, on a mémorisé le micro-dialogue, maintenant reprendre le micro-dialogue pour une dernière fois. Il peut faire cette reprise avec un élève, si possible. Ça veut dire que le professeur est un élève. Voilà, le professeur et voilà un élève. Donc ils vont reprendre le micro-dialogue. Professeur-élève. Et si c'est possible, on va prendre le micro-dialogue après, élève par élève. La première fois, le maître, le professeur avec un élève, et la deuxième et la troisième fois, élève par élève. C'est comme ça qu'on mémorise le micro-dialogue. Donc voilà la progression de l'expression orale. J'espère que vous avez bien assimilé les étapes de cette leçon. Bonne chance, bonne réussite, et à la deuxième étape. Au revoir.